C'est sûr que maintenant, après avoir participé, on s'en rend compte un peu plus c'est quoi qu'ils veulent. C'est pas proche de la réalité qu'ils ont, mais c'est plus proche qu'on peut s'approcher présentement. Puis on voit à quel point c'est comment ça peut être difficile et compliqué. Fait que oui, ça va sûrement me forcer à donner encore plus que d'habitude. Comment je vis l'expérience? Ben, je te dirais qu'au fur et à mesure des jours, on change beaucoup d'émotions. Les premiers jours, ça se passait plutôt bien. On a beaucoup eu de nourriture, des gens qui nous connaissent personnellement. Les enseignants sont venus porter de la nourriture aussi. On a été vraiment bien encouragés. Mais je te dirais que plus les jours avancent, plus je me sentais vraiment comme une itinérante. Le mercredi, je m'en rappelle, je suis sortie de mon cours. Et là, je savais vraiment pas où aller. Il n'y avait personne au campement d'itinérants cette semaine. J'avais vraiment nulle part où aller. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, mais je suis vraiment toute seule. Là. Puis vraiment, c'est là que je me suis vraiment sentie comme une errante. Là. Tu sais, je suis partie quêter. J'avais rien d'autre à faire que quêter. Alors, vraiment, l'expérience, c'est une super belle expérience. Je la propose à tout le monde. Je pense que tout le monde dans les 7 étudiants qui ont participé ont vraiment apprécié. Puis ça nous sensibilise vraiment plus que je pensais à la base que ça allait faire. Ouais.